chez Malaika Lodge, un bel endroit. Je vous ai dit, c'est un petit paradis. C'est vraiment très beau et très joli. Là, il reste un tout petit peu, tu touches le ciel directement. Oh. Direction chez Malaika Lodge, se trouvant à l'est de l'RDC, dans la province du Nord Kivu, à Masisi, Mushaki. À environ 41 km de la ville de Goma, une ou deux heures de route comme ça. Sur le trajet, vous trouverez bien plus de beaux paysages à découvrir. Une verdure à couper le souffle, un air pur et une vue du beau et grand Lac Kivu. Bienvenue à Malaika Lodge, un havre de paix caché à l'est de l'RDC. Un bel endroit où vraiment, bon, en tout cas je sais pas le décrire, mais j'espère que vous voyez de vous-même, c'est vraiment très beau et très joli. Du coup, si vous êtes dans le coin, ne quittez pas sans passer ici. Alors, viens. Malaika Lodge est dans le mètre d'une femme battante avec F majuscule, Maman Rika Bologna, celle qui a bien restauré et donné de la valeur à cette concession familiale qui fait aujourd'hui la fierté de la province, voire du pays en général. Vivez très longtemps, Maman Rika. La maison ici, ça fait 2 ans, la maison. On a construit moi et mon mari qui m'a beaucoup aidé, c'est ce qu'on a construit ici, mais j'ai l'autre qui a 10 ans. Chez Malaika Lodge, nous y trouvons environ 11 chambres avec un salon bien entretenu, moderne et classe. D'un côté, nous avons un petit bar maison où les voyageurs peuvent tranquillement se détendre. Une cuisine trop top, on dirait la porte à côté du paradis. Et la crème des crèmes, c'est la cuisine privée de Maman Rika. J'espère vous partager un jour plus de détails quand elle m'y invitera, bien sûr. Je précise, elle est payante cette cuisine, avec raison d'ailleurs. Les gens qui dorment par ici, ils prennent la chambre, qui ont payé la chambre de ce côté, du villa, ont droit au salon, manger, le feu, manger le soir. Et puis les gens qui dorment de l'autre côté aussi, ils ont un petit salon, avec du feu aussi, et c'est de différents prix. Et toute la famille, elle est ici? Non, ils sont à Goma. Ah, ok. On vient le week-end.
c'est paradisiaque. Je vous ai dit, c'est un petit paradis. Là, il reste un tout petit peu, tu touches le ciel directement. Oh, ok, ah. De ses côtés, c'est le bois qui m'impressionne, la décoration, les beaux portraits. J'avoue, deux nuits chez Malaika Lodge, je parie, on doit faire plus quelques ans sur son âge. Essayez de vous-même, vous verrez. Les bois, les bambous, un décor qui touche l'esprit. C'était encore en réhabilitation. Quand ça sera possible, j'espère y passer pour voir à quoi la touche finale ressemblera. Connaissant ma Marika, c'est beau d'avance. La visite continue dans un coin que Mama Rika a caché et a bien nommé le couloir. Le couloir est un couloir naturellement formé par des arbres, animé par des orchestres d'oiseaux et mouvementé par les chevaux et quelquefois les bœufs. Jusqu'à ce que j'y arrive, je croyais que ce n'était que du Photoshop que je voyais les gens poster. Mais en réalité, en y arrivant, c'est encore plus beau et joli que sur toutes les photos et vidéos que vous verrez. Donc, il faut plutôt y arriver pour que vous puissiez confirmer tout ce que je vous raconte ici. C'est vraiment très joli. Oui, encore j'ai manqué les mots, mais c'est très beau, tout vert, tout est naturel. Mais je dois vous avouer, je dois vous le dire en tout cas, il fait trop froid d'habitude dans ce coin. Les troupeaux viennent de faire une intrusion dans notre partie des découvertes. Vous l'avez sûrement remarqué, peut-être. À ce jour, nous étions partis faire visiter la beauté de chez nous à un envoyé spécial dédié, Wodemaya. Les youtubeurs africains venant du Ghana et ayant voyagé dans plusieurs pays de l'Afrique pour changer les narratifs de l'Afrique et montrer aux autres ce que l'on ne vous montrera jamais à la télé, c'est-à-dire la belle facette de l'Afrique. Les géants Wodemaya, l'influenceur trop top, l'homme à 1 million d'abonnés sur YouTube. Il a tellement aimé et apprécié en tout cas le cadre et l'endroit que j'ai même fait une vidéo d'interview et de visite avec lui que je vous recommande vivement d'aller suivre et de partager aux autres. Alors, à suivre. Napenda Congo, Congo Kitoko. Wouhou!
les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet endroit, le Malaika Lodge, vous a aussi fasciné autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer ici, si vous êtes dans le coin. Les factures sont vraiment trop abordables. L'endroit lui-même, il est vraiment très fascinant. Alors, visitez Massis. C'est un endroit vraiment très paradisiaque. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, je vous en supplie, abonnez-vous. Et dans tous les cas, passez chez Malaika Lodge. C'est un endroit purement paradisiaque. À très bientôt.